il avait des poches sous les yeux, à défaut des yeux dans la poche. Sur un hôtel borgne de banlieue, il louchait tant qu'il était moche. Divergemment comme un vulgaire Jean Solpart qui n'aurait pas fait la Sorbonne à l'école primaire, ou l'inverse, ses humanités. Lui, en lieu de philo, fila, bien plus qu'à son tour, à l'anglaise, des boutons piqués ça et là, à Paulette, Simone ou Thérèse, des copines qu'il avait connues sur les bancs de l'école buissonnière, quand il jouait à Pampan, Cucu au docteur ou à l'infirmière. La sus nommée s'appelait Olga, l'anglaise dont je viens de vous parler. Elle avait épousé ce gars après s'être bien fait soigner. Mais un jour, il lui déclara, halte au chômage, je vais me faire batelier. C'est de là qu'Olga s'est tirée, avant le mal de mer, avant son mal de pierre aussi. Vous savez bien qui c'est Pierrot, c'est le pauvre gars à la pauvre de vie, dont je vous ai touché deux mots. Depuis, il traînait son pauvre œil de bœuf dans les mauvais quartiers. Ça n'était pas à l'écureuil qu'il confiait sa menue monnaie, mais aux filles qui lorgnent le soir devant ces hôtels borgnes de banlieue, où j'avais commencé l'histoire avant de me faire prendre au jeu de mots qui ont fait diversion, ce dont je vous prie de m'excuser. On va reprendre la chanson, rendez-vous, on recommence tout premier couplet. Lavait de poche mais plus qu'un œil, depuis qu'on lui avait demandé d'en jeter un pour se fendre la gueule sur les filles qui étaient devant l'entrée de l'hôtel borgne de ce quartier plutôt louche, quoi qu'il soit posé. Quand on est borgne et bien élevé, soudain de se mettre à loucher, enfin bref. Depuis l'accident, l'était plutôt moche et d'ailleurs en général. Et de tout temps, ce qui compte dans la vie, c'est le cœur, qu'il avait gros comme une maison avant le dernier tremblement de terre, qu'il s'était fait faire au Japon, pas le temps, mais la maison qu'il a dû refaire. Mais cette fois, au Nouveau-Mexique, très loin de ce soleil, le vent qui croît très haut jusqu'au zénith et qui empire quand il descend, ce dont il se foutait, ouida, depuis que l'œil qui lui restait s'était tiré avec Olga. Une nuit pendant qu'il dormait, il avait plus de poche mais deux orbites de cheval. Dirait mon copain qu'a fait en rire tante Marguerite à la communion du gamin, qu'a rien à voir avec l'histoire. Et pourtant qui a une bonne vue, même qu'après sa cuite d'hier soir, il voyait double d'avoir trop bu. Il est allé retrouver Pierrot, lui a dit, on peut faire affaire, tu sais, ce soir, moi je vois trop. Pour 100 balles, je te rebranche la lumière, tu m'as bien regardé, dit Pierrot. Et avant que l'autre le lorgne, avec sa canne blanche à pommeau, il est entré dans l'hôtel borgne. Ce qu'il y fit, moi je l'ignore, et je ne veux guère le savoir. S'il n'avait plus les yeux du corps, moi je n'avais rien à y voir. Ça ne lui a pas rendu la vue, mais il y a des jours dans l'existence où se rincer l'œil ne suffit plus, même si ce n'est que l'œil de la conscience.